Toujours dans le cadre de découvrir et de faire voir les côtés créatifs de Congolais, chers internautes, bienvenue dans votre émission Discovery. Discovery qui est une émission conçue et présentée dans le but de promouvoir l'excellence. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous un invité que vous allez justement découvrir tout à l'heure. Il est comme ça propriétaire d'une maison de couture. Nous sommes là sur le 24 novembre. Avec lui, bien sûr, nous allons discuter sur les conditions, les réalisations, les défis, bien sûr, les difficultés qu'il rencontre au cours de son métier. Chers internautes, encore une fois, bienvenue dans votre émission. Merci beaucoup. Comme je vous ai dit, je suis déjà avec mon invité sur le plateau. Il s'appelle Monsieur Daniel. Donc, je vais lui laisser la parole comme ça. Il aura au moins le moyen de se présenter lui-même. Bonjour, Monsieur Daniel. Bonjour, Madame. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. Merci. Vous? Oui, je vois que vous êtes en forme et bien habillé. Bien sûr. Merci beaucoup. Ok, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, à ceux qui vont vous suivre, justement. Oui, merci beaucoup. On m'appelle Monsieur Daniel Mbouezo. Je suis styliste couturier congolais. Voilà. Quelles sont les études que vous avez faites, justement? Déjà, je suis gradué à l'ISAM. J'ai fait le modélisme et le stylisme. Avant de commencer l'ISAM, j'avais passé dans plusieurs ateliers de couture pour apprendre. Et puis, je suis parti là pour perfectionner ma connaissance. Donc vous êtes passé dans la maison et bien pour apprendre. Bien genre, sûr. Vous avez dans le cadre, il y a un stage professionnel. Oui, j'ai dans le cadre, il y a un stage professionnel. Donc j'ai commencé à apprendre la couture, c'était en 2010. Et en 2012, j'ai eu un examen pour améliorer la connaissance par rapport à la médecine en salle. Après l'examen, bon, déjà na bandi comme ça couture na 2010. Donc c'est là où j'ai débuté ma carrière en tant que couturier. Et en 2012, je me suis décidé de partir à l'ISAM pour faire l'université. J'ai fini en 2015, j'ai fait 3 ans les cycles de graduat. Et lorsque j'ai fini l'ISAM, je me suis directement intégré dans le monde professionnel. Et c'est là où j'ai créé mon premier atelier de couture. C'était en quelle année? C'était en 2015. Donc, j'ai créé un atelier en Gamoko. Mais j'ai travaillé déjà chez les gens, j'ai travaillé avec les personnes. Chez les gens, là, comment est-ce que, quand vous avez pu travailler, en bien sûr, vous avez vu, parce que le parcours est toujours difficile, ça a été facile pour vous? Non, c'était pas facile. Déjà, au monde où au côté sika, oui bien, il y a une unité, il y a une facilité. Bien que c'est inné, donc moi déjà la couture ça vient de la maison. C'est dans les sangs. Donc ma tante, ma coco, on a mis sur les cotons. Alors lorsque je me suis intégré dans ça et donc et puis pour ça il y a quoi apprendre. Bien que ma difficulté c'est qui mais comme au Lingué le Congo. On n'avait pas le choix, donc j'ai fait tout mon possible pour apprendre. Ok, merci beaucoup. Vous avez une maison de couture, là ouais. Où nous sommes. Je pense que nous sommes sur 24. Oui, bien sûr. Parlez-nous un peu de votre maison. Oui, maison... Bon, déjà,
J'ai commencé mon premier atelier en 2015, mais Isaac était en 24 été. Bien que c'était lingua-là. Mais ici, j'ai naki awa en 2018. C'est en 2018 qu'ils ont une maison Oyo. Déjà, maison est composée de comptoir et puis atelier. Comptoir, ils ont pour la vente des articles à couture, des tissus, des singa et tout. Alors, l'atelier, c'est pour la confection. Donc, confection hommes et dames, voilà. L'idée est que si l'on s'est lancé, l'idée est que parce qu'il y avait les parents, soit les tantes, comme vous l'avez dit, les tantes, qui ont fait aussi la couture, ou comment? Bon, déjà, moi, lorsque j'ai commencé la couture, je ne savais pas qu'il y avait un niveau. Moi, j'ai fait la couture pour m'habiller. Donc, je me trouve habillé. Et puis, les gens qui m'ont mis même? Bien sûr, moi-même. Et lorsque je me suis intégré à ça, donc je comprends que ils ont vu mon bande bandaki wana. Bah toi, moi aussi, bah demande n'importe quoi, bah ni n'importe tenir. Alors, na on comprend que t'es. Il faut maintenant que nous tiens souvent là que nous avons vraiment tiens l'université pour na comme ça maintenant l'école. Donc il y a qu'ils aiment. Ouais, bien sûr. Ok. Bah service ni ils a quand ils ont la maison des couches là, on se peut pas plus tôt. Déjà, na comptoir ils ont vente y a article y a couture. Pourquoi l'article est-il? Tous les fils, tous les tirettes, tous les dentelles, tous les tissus, collants, tous les triplés, tous les orgasas. Ils sont belles. Orgasas, boutons. Oui, orgasas, ils sont tissus. Ils sont tissus. Forme ils ont groupé ça y est à ce forme voilà donc il y a au Gaza tout ça on a pas doublé tout ça on a pas cototé tout ça on a pas cette déchets donc gabardine ici presque ming oh oh sont gabato la première nécessité il y a ça là bas voilà alors d'un côté on est atelier de couture mais tout ça na confection oh mesdames tout ça plus professionnel plus spécialisé na Bateni, il y a cérémonie. Genre mariage coutumier, civil, religieux. Et puis même dame, tout ça, robe. Robe, il y a civil, tout ça, robe, il y a coutumier, tout ça. Robe, même à ta voile, et ça, les marins dans l'atelier. Donc, il y a tout ça, selon la demande des clients. Bon, on a vu que vous avez appelé, que je vous ai appelé. D'une autre façon, ils ont commencé à conseiller. Des fois, on conseille à battre. Non, ou t'as eu le tissu, mais ils ont bien tout. Non, pour les locaux, tu peux mettre. Des fois, vous proposez aussi. Oui, bien sûr. Ceux-là, le client, il y a un modèle mort. Là, on a ton ami, il y a un modèle qui est là, il y a un ming. Non, mais il y a un orienté. Tout le monde a un peu, oui. Le client, il y a un modèle là, il y a un modèle haut. Soit ils ont bien tout apprécié. Soit tout le monde, il y a à modifier. Dans ce moment-là, pour t'obliger à la cliente quand même. Soit non, ils a bien, mais il faut que ce soit moi le moins côté du colo et ça qui tourne. Soit long, moi le gros boué et ça bien. Juste là pour la car pour qu'on a aussi sa clientèle, mais pour retirer sous clientèle. Soit au salé client bien, oui, politique dans la moine, soit salé client bien et va tirer le sous-bâton sous la maison. Vous avez combien d'employés? Comment est-ce que vous vous rendez ici? Oui, bon, pour l'instant, toi 10, nous sommes à 10. Toi, là-bas, si comme Bali, tu travailles ensemble. Mais nous avons un maître d'atelier, nous avons un secrétaire et puis les autres sont des techniciens qui sont tirés ou qui sont tirés. Oui, bien sûr. Mais des fois, vous aussi, vous mettez vraiment chaque jour, bien sûr, bien sûr. Bon, déjà, bien que chaque couturier a une technique, donc on va être obligé d'adopter la technique pour tout ce qui est dans le. Je sais que des fois, ils ont des clients qui viennent, qui préfèrent à ce que le maître lui-même.
Oui, bacan. Comment est-ce que vous gérez quand des choses pareilles arrivent? Bon, déjà, même ngapé na école musa couture. Ils arrivent bon, ils veulent mes clients ont l'air plus maître dans ces lames là. Et l'acte de monsieur aux enfants de l'indé arrive musa de non. Déjà, si mon maître appelle si mon musa c'est grand la confiance dans ces gars tongada bien. Nga na ko pesa on est souvent pas faire confiance dans muto baeli. Muto baeli si appelle si mon musa assez la bango c'est gars il veut que mon musa musa là bien. Bon bon c'est pire là. Donc vas à tenir esprit non t'es au maître une fois ça non. Pour ceux d'un dimité côté de ma grande marque, ils ont la rage. Donc, la maison de la non. Ils ont employé, ils ont travaillé, ils ont accompagné. Monsieur Daniel, comment est-ce que vous gérez la collaboration en fait, entre vous, entre votre personnel, bien sûr? Comment est-ce que vous gérez la collaboration entre nous? Bon. Déjà, je ne sais pas si vous mettez trop dans cette casquette-là de chef. Bon, déjà, bon, c'est aussi un problème de dédication. Bisous de coller et belé. Mon tout que chaque chef, c'est bien. Mais quand la chef, vous avez l'homme sous, vous avez l'idée après l'homme sous. L'idée, c'est que vous avez la batonne de la moko. Le vote de la batonne de la moko, il faut vous avoir une idée moko. C'est-à-dire, et vous avez la casquette de la salade. Un chef. C'est que nous sommes au bateau, aux impôts, il faut obéir. Mais si vous avez l'idée, c'est que nous sommes au bateau. Pour nous dire que nous sommes au salaire, ils ont bien, non. Et vous savez, nous sommes au travail, nous sommes au maître, il faut chercher mon bouton, la place est au bouton. Après, c'est l'idée. Au yo qui est, puis vous évoluez. Donc, on a déjà un salaire bien avant. Je pense. Si vous avez travaillé avec la créer une ambiance, si vous avez un salaire, vous avez bien. Donc, c'est ça, moi. Donc, vous avez une famille qui doit être belle, vous avez un rythme. La mode, comment est-ce que vous osez définir mode? Bon, mode est un style mode. Donc, il y a un style mode au PC dans le bateau pour adopter et puis. Bah, donc, c'est là, quoi. Oui, donc par exemple. Oui, ça vous est déjà arrivé au moins style mode de barbecue. Oui, bon, on explique. Oui. Bon, mode de style. Et quoi, ça là? Bah, tant que vous avez pantalon, il y a miné, les eaux régnées. Après, si malango, et limo, et comme pantalon, miké. Donc, mode est ça. Style, oh, y'a pessi batou. Batou. Bah, adopter en haut, bah, j'y en haut, et puis, bah, on va causer là. Et ça y a ma bête, ça malam. Pour éviter que couture ton règle, le loca. Pour chaque badouazan, l'année n'a pas la tira blamba. Monsieur Linga, il a un sexy, monsieur, c'est la normale, donc ça dépend. Donc, mode, yo, opé sa batou, ne batou, bazo, adopté, on pourra pas utiliser. Voilà. Des fois, dans ces métiers, il y a aussi des difficultés que vous rencontrez lors de ces exercices, de ces métiers. Oui, bien sûr. Les difficultés que vous rencontrez. Déjà, premièrement, c'est au niveau de l'électricité. Il y a un courant qui a passé. Tu peux avoir des commandes à réaliser. Et puis, dans la machine d'auto, c'est industriel. Ça ne supporte vraiment pas là, donc, ni groupe électrogène. Excusez, il va faire repasser au dossier là-bas. Et c'est un courant qui est là. Soit un groupe et vous mettez. Il permet de friter en Wana. Deuxièmement, il y a la demande de la client Moussou. Moi, client, il y a Moussou, il demande de moi, il ne peut pas y aller. Lamba Mouboué. Tu sais, Azana, pour se passer le Lamba Mouboué, il y a Azana. Ming, il y a Talibanda. Alors, ceux qui ont un moyen, il y a aucun besoin de Koto. Ils ont quand même bien donc, pour satisfaire les clients. Et donc, moi, j'ai difficulté en Wana. Et puis, je suis en train de me faire mais des vrais. D'ailleurs, je pense que ça, nous sommes au Banda bien, il faut avoir un moyen. Pour lancer un sous, par exemple, aucune industrie, un néné, ou engager un bébé, il faut avoir un moyen. Au Rosa, on a une boutique qui est mais on a un stock qui est bâtissé, un stock qui est matériel, bah tu vas sali au footy bon on a un bon au yozan au footy bon RT comment yo organise mes bénéfices nao mais so vous avez un moyen on a été vous avez difficulté y a quoi y a aussi un yo soana pour bateau bah ça bon bah ça 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 bah ça
vous êtes obligé de payer ça bon bon et tirer mettre la matière bon il faut pas un bon pour bon passer le musan là donc il faut d'abord vous en avoir moyen des engrais surtout dans le Congo moyen exacté voilà. Profitez pour vous lancer mon message pour que les autorités vont nous suivre certainement. Ceux-là qui soutiennent l'entrepreneuriat, ouais. Je pense qu'ils vont nous suivre certainement. Un message par rapport à des nouveaux points où les barmiens devraient tout ça. Bon, nga personnellement, nan na bandate. Mais nan na bato wa banda et puta mon elo monte. Donc nga nyo sa sali na na ba moyen na na fort na nga mon sali quoi. Je pense et ils allaient bien. Ceux qui gouvernent pendant à tiper les soumis à côté. Ils ont parti, c'est quoi que musicien, comédien, couturier, mais ils sont tous artistes. Achille Boko n'est pas artiste. Ils appellent l'un des richesses de Mboka. Ils ont remarqué un milliardaire rébellé au monde. Ce sont des stylistes. Oui. Ils sont un bon rébellé. Oui. Et puis, ceux qui Mboka. Parce que bon, bah, c'est sérieux ou soit. Oui, sérieux, oui, mais sérieux déjà. Et puis, il y a des gens qui ont été organisés. Ils ont organisé. Ils ont été organisés. Ce qui est que mes émissions écoutent comme on a mis sur ya Mikonzi tout ça va entrepreneur je pense mission c'est au bout d'un point d'évolution en Boka pour nous sunga bande comme sous loi on a déjà travaillé à baza bah nous sommes à parents baza na papa na bananda ku ni soit et pas n'anga va travailler bah qui alors ce qui déjà moyen ya bien zali où est-ce que au tiers combien d'années 100 000 travailleurs on nourrit combien de familles quand on s'en sort. Donc, il y a des gens qui ont été soutenus. Ils 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 ont tout ça, on a ni le bleu, ils on a une industrie quoi. Oh, qui n'est pas, je m'excuse. Oh, d'abord, on pas pas ni oui au côté qu'on a aux unions aux roses et l'ambassade pas tout unions aux huit au biminango. Donc, bleu à la tous en gango. Mais on est côté n'anga non ça côté qu'on a non tonga. Monte côté azui chaussure, azui lamba, azui chapeau, azui lunettes, azui parfum. Exacté. Mais nous sommes batavara. Il y a une industrie. Donc, ce qui est que je suis tel peu dans le monde, je suis un peu dans le monde. Je suis un peu dans le monde. Je suis un peu dans le monde. Je suis artiste, musicien, comédien, tout ça. Peintre, artiste, oui. Coiffeuse, coiffeur. Donc, quant au gouvernement aussi, hein, d'essayer un peu de jeter un coup d'œil de ces côtés-là, et je pense que ça fera du bien à tout le monde. Oui. Depuis le début de votre carrière, ça vous est arrivé un jour. Et l'homme est comme le très mauvais souvenir lorsque le bruit s'arrête dans le salon. Et comme il a. Oui, et comme il y a. N'est-ce que le client est là-bas? Bon, les gens ont un faible commencement. N'est-ce que le client est là-bas? Tu as un peu pris bien. L'ambe est en Nagaoué et mal susté. Oh, assez peu les lambas ont été, au salon ont bien été. Et qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi c'est lambas Nazonga Nango? Té, assez les qui ont été bien, et pas susté. A qui est lambas? Nazonga, après bas jour. Catégorie à Batoubou, on a la sens. On a la sens. Il y a des écoles qui sont écoles qui sont monde. Il y a des écoles qui sont dans le écoles qui pour renforcer quand même l'esprit. Monsieur Daniel,
il y a, je ne sais pas, c'est pas moi, je n'ai pas dit ça. Ouais. Mais il y a des ceux-là qui pensent que le métier est dur, et ça, c'est un métier fait pour le moins intelligent. Que diriez-vous à ces gens-là qui pensent justement? Bon, déjà, ceux qui. Bon, on a déjà cancellé quoi. Si on a un diplôme, il y a l'humanité, il y a l'idée d'écouter dans son salaire à Koutir. Si on a un diplôme, Koutir était, Koutir, il faut que tu aies un bateau, il y a un faible. Mais ceux qui ont un examen, ils comprennent que. Si on a un l'humanité, ils comprennent que Moussa Koutir, ils ont un salaire visé. Tu as appris qu'il y a des calculs aussi. Bien sûr, ils ont un calcul, ils allaient au temps, ils ont un temps, 50% au temps, 50% il y a pratique. Théorie et pratique. On ne peut pas guider, il faut autant pour les banques. Donc, si autant guider, vous avez des difficultés pour s'en sortir. Non, ça s'en sortir. Entre le fit, on est autant. Ah bon, il y a ce côté dans le monde, déjà, il y a des choses moins complexes. Mais bon, mais c'est un avion, c'est beaucoup de bien mort. Voilà. Il y a aussi cette conception de gens qui disent que non, c'est qui font. Je dirais, la couture, soit les modélistes, sont, quand un homme le fait, c'est qu'il est gay. Ah bon, il y a selon la conception à Moutou. Quand tu es gay, il y a beaucoup d'hommes qui sont gays. Nous sommes gays. Nous sommes gays. Nous sommes gays. Nous sommes gays. Donc, il y a un état d'esprit à Moutou. Une éducation à Moutou. Il y a un état d'esprit. Et puis, nous sommes un esprit faible. Si nous sommes un esprit faible, oui, donc influencé, oui. Moutou, au sein Moutou, à côté d'esprit, on a au lundi, à l'Otengami. Mais sous l'esprit fort, au Tengamate. Pour l'instant, on a une union sur base de l'éducation et de la famille. Si vos parents déjà l'ambio bien, quel que soit Moutou, il peut bouger pas de s'y aller. Il y a donc, et ça, c'est le mot. Donc, déjà, dans le monde, vous avez un état d'esprit à Moutou. Donc, soit un espoir au côté du monde, soit un espoir au côté du monde. Parce que quand se le dit, qu'on ne se voit pas la face, beaucoup de stylistes le sont. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, déjà, il y a un niveau nyonso. Il y a un niveau où il y a un niveau, même si on peut proposer. C'est à toi de voir. Si on est quitté, on a embrassé le monde. Ok. Si moi je suis embrassant, je suis très bien. Je suis très bien. Pour la force, on peut me péter. Mouton, il n'y a pas de soin. Si moi je suis en train de me faire un niveau, pour garder les gens qui sont en train de me faire un niveau. Si moi je suis en train de me faire un niveau, voilà, c'est à vous de voir. Cette activité, ça vous rapporte quand même? Oui, bien sûr. Moi, j'ai des enfants. J'ai des enfants. Vous êtes un père de famille? Oui, bien sûr. J'ai des enfants. Merci beaucoup, madame. Donc, il suffit de tirer à Syrie. On a une union, c'est-à-dire, nous avons gagné un million, mais soit la Syrie était. Et que nous avons gagné un million. Mais on a gagné un mais soit nous avons. Au tirage esprit c'est comme on bitinda boy oh il y a beaucoup de gens qui ont déjà pour la vie n'angai on évolue voilà. Monsieur Daniel, je sais que ville à Kinshasa il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, il y a des jeunes qui s'adonnent dans des choses pas bien. Kuluna, phénomène Kuluna, des torts des gens et tout ça. Vous en tant que jeune, vous débrouillez et vous retrouvez quand même à avoir quelque chose. Quels seraient les conseils que vous allez donner justement à ces jeunes-là au Bambé Saint-Abagé, à Kouzouba, à Pnob? J'ai le Koulanga, vie est la facilité, vie est difficile. On commence toujours par le débit pour atteindre les sommets. Au plus près, on commence à Souka, les Kambou. Base de force, il y a quoi prendre. Ma métier est belle, il y a quoi coûter. Déjà, imaginez-vous, au coût d'un mouton en zéla, au bout de $100, au bout de mouton les $100, et servir un mouton pendant 2 jours, 3 jours. Alors, jour où il y a un mouton. Tu as fini dans un mouton pour avoir un bon, pour avoir un pour. Mais or, ce que vous travaillez, vous avez un métier,
et peso mbongo à chaque fois nous appuyons mbongo tellement aux gens dans ma kila le gros tout ça ça bien pour ébène la babatu bah les sous pour gagner mbongo et comment le moi drogue mon boué ça c'est l'eau boué et puis ça mbongo boué il faut on le sait il faut ça on gapo et puis ça mbongo donc nous on a conseillé bango bah le cas bah prendre oui mbongo ça il y a facilité pour nous bima mbongo il y a pas si mais on va rater, on va faire un non. Ça est fort, il y a un ça est fort, il y a prendre métier pour évoluer. Vous avez habillé les artistes. J'ai vu l'artiste comédien Piron Dombas également. J'ai vu l'artiste musicien Isso. Comment est-ce que vous avez vraiment ma relation avec nous et tout ça? Oui, il y a la savoir-faire. Oui. Savoir-faire. Autant que Dieu, basé Bélé. Oui, na bia Mama Godé Bondembe, elle est chanteuse chrétienne. Na bia nani papa Luwakanza, na bia non basé pour ne pas citer leur nom à la télé. Ezaka Musala, Musala ou Chasiri Musala. Ouais quoi Musala, pour bango baya pe nzira mutu, mutu oyo. Donc, ils ont chaîné, merci beaucoup. Hormis tout ce que nous venons de dire ici, je pense que vous avez quand même vraiment du Bakoubaksa et tout ça. Ou c'est pour ceux qui adressent, il y a maison, place Isali, pour ceux qui, là, qui vont suivre, ils vont nous suivre plutôt au Bako Sepi. Là, il y a quand même que visiter, c'est Baloukaba, Tonga, Kakinsko. Tout ça, mon adresse. Bon, adresse, tout ça, dans le croisement X24. Juste en diagonale, il y a Isam. Isangi 289. Référence paroisse Notre-Dame. Donc, Isam Notre-Dame et Kangami. Sous la paroisse Notre-Dame, Isam est plutôt juste en diagonale. Isangi 289. Numéro, on a vu ça, plus 243 89 55 00 763. Donc, voilà. Tout ça, une maison de couture mixte. Hommes, dames, enfants. Tout ça, la robe à cérémonie, à coutumier, à mariage, à civil. Donc, si vous avez une commande à tenir la sécurité, tout ça, là, sur commande, sur mesure, des prêts à porter, donc on fait tout. Donc, si vous voyez, vous faites confiance, vous comprenez que vous savez ça. Alors, merci. Merci beaucoup. Donc, je rappelle que nous sommes là dans la maison de couture, dans Haute Couture, Daniel Mbouez. Nous sommes sur 24. Je pense que lui-même vient de vous donner l'adresse de cette belle maison de couture. Bah, oh, non, c'est pas ça, c'est un peu de la bleue qu'on a, bah, il a dit là. Pour un peu ça, autant de bleu qu'il y a mariage coutumier, religieux, civil. Donc, maison Daniel, ils en a pour nous, pour servir nous. Toutes, merci et bye bye.